Salut les petits potes, c'est Redbone et on est de retour sur Record, ça faisait longtemps. Donc suite à quelques petits problèmes que j'ai eu à l'enregistrement et avec mon ordinateur, je ne pouvais pas enregistrer et les derniers enregistrements que j'ai faits sont vraiment moisis. Donc du coup vous avez raté, allez, 10 minutes de gameplay où j'ai juste un peu avancé. Je suis désolé, j'ai vraiment pas eu le choix. En témoin, j'ai mon acolyte As qui peut le confirmer. Hein. Voilà. Donc, j'ai pas beaucoup avancé. De toute façon, vous connaissez. Généralement, je suis assez lent pour les jeux. Donc, c'est pas un souci. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est juste venir ici. Voilà. Tuer quelques monstres. Là-bas, au fond, on a un donjon caché. Eh bien, j'ai oublié de. Voilà. Ça arrive. Donc, voilà. Pas de nouveauté au niveau de l'histoire. Rien. J'ai pas beaucoup avancé comme je vous l'ai dit parce que je me suis vite heureusement aperçu que les enregistrements étaient foireux. Je suis un gros sac, je sais. Pas besoin de me le dire, hein. Je t'entends, toi derrière ton clavier en train de taper. Tu es un sac, arrête-toi là. Mais c'était pas le cas. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté avec des sortes de babouins macaques géants qui nous ont attaqués. Ils étaient trois, il me semble. Un avec qui était chelou, un peu noir, des trucs dessus. Et ces deux acolytes qui étaient ici, qui ont été un boss que j'ai que j'ai largement défoncé, je vous rassure. Il n'y a aucun souci avec ça. Au niveau de l'histoire, c'est le seul avancé qu'il y a. Après, j'avais remarqué qu'ici en haut, il y avait un coffre. Je sais pas comment le récupérer. J'espère que comme ça ira. Oui. Ah oh, si, j'avais déjà récupéré. Ah, j'avais déjà récupéré quoi. Ah bah voilà. À tel point que je me souviens même pas de ce que je fais. Pousse! Ça passe, ça passe, ça passe. Ah, ça passe. Y'a rien ici. Non, y'a rien. Donc oui, c'est vrai que je fais des sorties d'épisodes qui sont un peu à arrache, on va dire. Bon, s'il n'y a jamais de moment précis où je les sors. C'est normal. Parce que je sais pas du tout quand j'ai le temps de tourner. Contrairement à d'autres, je fais ça que quand j'ai le temps. Et sur mon temps libre. Allez hop. Donc oui, j'ai déjà vu la nouvelle zone quand même. Hein. Mais je vous rassure, hein, je suis vraiment pas allé loin. Vous avez dû rater, allez, 20, 20-10 minutes de gameplay. Si c'est pas moins ou plus, quoi. Donc là. À le berceau. Ce sera un sacré bébé quand même pour avoir un berceau comme ça. Oh la blague de merde. Ah, les temps de chargement. Qui sont plus courts sur PC que je suis pas sur console. Donc oui, là vous l'aurez remarqué, je suis tout seul, contrairement aux deux premières vidéos où j'avais mon acolyte avec moi. Qui me laisse tomber mais royalement. Qu'elle n'a plus rien à foutre de moi, hein, la preuve, il est même plus là pendant les vidéos. Hop, on retrouve Violette, j'en ai un peu rien à carrer de tes fesses. Alors là où j'avais déjà essayé d'y aller, on pouvait pas. Et en bas, on a un ennemi. Ok. Continue d'avancer, hein. On verra bien. Hein. Et ce jeu est toujours aussi joli, hein, je précise. Hein. Vraiment magnifique ce jeu. Il est posé, c'est pas la grosse baston à tous les coins de rue. Quand il y en a, ça fait pas semblant. Qu'est-ce que c'est? Alors oui, j'ai toujours mon chien Mac avec moi. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai pas beaucoup avancé, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite dans l'histoire. Parce que je sais qu'il y a d'autres boules qui aimeraient bien les avoir quand même. Alors ça, mon ami, je n'en sais rien du tout. Ouh! Et voilà! Bonsoir! Ah! Saloperie là! T'as crève toi! Non, t'es pas mort? Voilà! Allez, extraction rapide, on va essayer! Ah, raté! Ah! Con de singe! Voilà, c'est des ennemis! Enfin, c'était des ennemis, le boss c'était des ennemis ressemblant à ça, sans la corne sur le front et blanc. Mais vous voyez le délire.
Essayez de vous souvenir d'eux. Si vous n'en souvenez pas, reportez-vous à la fin de l'épisode 2. Plus de munitions, génial. On pose des mines ou quoi? Non, trop tôt. Pas fait gaffe. Voilà. Donne-moi ton cœur. Non. Maintenant, tu me le donnes. Give me your heart. Il a presque parlé de musique. Voilà. Boum. Allez, hop. C'est bénef tout ça. Alors. Mac. Mac. Mac, Mac, Mac. Mac, 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 hello. You. Je te dis, il y en a un paquet. Encore des petits potes à trouver. Alors, on va les retrouver, nos petits potes. Violette. Ça roule. Ça part. Hop. Qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est ça? Non. Aïe, 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 aïe. C'est pas du bien, ça. Oh. Ça fait assez triper le... On dirait de la neige par-dessus du sable. Alors que c'est deux sables différents. C'est assez trippant. Oh. Oh. Ah, des bleus. Comme c'est drôle. C'est quoi, il y en avait à avoir de toutes les couleurs. Tous les coups. Quoi de mieux qu'un code couleur pour un jeu. Alors. Je sais pas du tout où je vais. Je sais pas du tout. Ah si, je sais ce qu'il faut que je fasse. Mais... Allez hop, et de deux. Il en fait combien déjà? 3 je crois, non? J'en souviens plus, ça y est. La mémoire qui flanche, je me fais vieux. Oh, un coffre. Les coffres toujours aussi généreux. Et on a droit. Chien fou rouge, ok. Ok, ok. Toi, est-ce que tu bouges? Non? Non, parce que c'est là qu'il faut aller. Ok. Il t'est tiré sur le bout quand il est rouge. Boum. Voilà. Allez, on va tenter. On tente, ça passe. Ça passe. Ça passe. Il en va un peu plus loin, non? Ça va y aller. Ah, c'est beau ce jeu. Oui, petit gars, je vous ramène chez vous. Hop. Hop. Whoop. Et voilà, à la maison. Allez les gars. Et pile du Duracell. Voilà, ça se fait tout seul. D'accord, tout ça pour ça. Enfin, pourquoi pas. Ah merde. Bon, bon, je prends. Ah merde, c'est un bon mouvement. Vite, sors de là. Comment je fais pour remonter moi du coup? Comme ça. Première ration. C'est quoi ce truc vert? Ah, c'est le quête. Alors, comment je fais pour remonter? Ah, pas grave. Tout simplement. Oh lui. C'est rien, c'est rien, c'est rien. Putain, c'est jaune. Parce que par exemple les jaunes, je trouve que c'est le plus chiant. J'en ai pas eu beaucoup. J'ai encore. Allez. Si elle était alpiniste, ce secondaire, ça serait trop fort.
vu qu'elle arrive à me faire des pentes de 45 degrés sans aucun souci. Voilà. Allez. Allez, allez, allez. Oui. Du chaud. Bah, du coup, j'ai même pas fait le jeu avant. Je reviendrai plus tard. Ça pourra bien grave. Il y a encore un coffre. On me dit pas non. Peut-être avant quoi? Pas avant, je suis un fou. Ok, d'accord. Je sais pas du tout à quoi tu vas ressembler à la fin, mon petit Mac, mais. Okay, ah, il me brûle! C'est ça, si de brûler dans le jeu. Pas vu. Ouais, j'allais te le dire. Si tu me fais tomber, parce que je sais que ça sera de ta faute et pas de la mienne. Olé. Moi. Qu'est-ce que ça sert là? Il y a un truc violet là. Oh, genre, je trouve un violet. Alors, j'en ai déjà trouvé un, justement, dans la partie perdue. Et c'est pas traduit, je sais pas pourquoi. Brûle. Chaud, 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 chocolat. Oh, ta gueule, violette. Comment t'as fait pour passer de... Car? Il voudrait pas un peu, monsieur? Aïe. Donne-moi ça! Voilà, quand tu peux. Hop, hop, hop. Il faut que reprendre à faire des extractions à refaire des extractions rapides parce que je n'y arrive plus. Ça me fait chier. Chier. Ah tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Bonjour, bon monsieur. Voilà. Donne-moi XP. XP. Voilà. Boum. Ah finalement on peut y détruire son machin, d'accord. Bon savoir. La balle est là, rien à voir. Je vais pas y aller pour rien. On va éviter les trucs inutiles. Encore. En fait, je vais pas y aller, quoi. Je vais voir ce qu'il y a là-bas. Voilà. Bon, j'ai dit que je veux faire des trucs inutiles. Éviter de faire les trucs inutiles. Et j'y ai fait quand même. Donc. Encore qu'on a ce dash. Et il est limité. Et le 1. Et le 2, et le 3, et le 4. Et le 5. Il y a combien dans la corde? Voilà. On voit qu'ils sont pas bien compliqués. Hein. Bam, 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 bam. Allez. Allez, on a fini vite là. Les maps sont, la map est, enfin les maps sont gigantesques. Un truc dans ça que je peux viser que j'arrive pas à faire des dégâts. Non. Oh, là, par contre, ça c'est une extraction. Ça c'est
ça sert à quoi tout ça? Oh putain, hein, j'ai pas le bleu. Arrête de me faire chier. Ok, Mac. Alors Mac, j'ai un peu boosté, donc c'est un peu plus de dégâts que la normale. Et encore. Oh. Oh, c'est tellement beau. C'est magnifique. C'est magnifique. Allez, donne-moi ça. Alors, apparemment, il y a beaucoup à récupérer parce que, encore une fois, dans la partie qui a disparu, dans les donjons secrets, on obtient des orbes aussi comme ça. Donc, à mon avis, il y en a beaucoup, beaucoup à récupérer. À quoi ça sert? Aucune idée. Mais, toi, tu m'intéresses. Mais je vais faire entendre les orbes à Plukton. Je sais pas du tout ce que c'est ce machin. Et j'avoue que ça me ferait chier de mourir maintenant. Je suis tellement curieux. Il est vert. D'accord. Maintenant il est bleu. D'accord, c'est monsieur change de couleur. Je sais pas. Oui! Donc ça, il y a un moyen facile de les tuer. Comment ça? Alors je sais pas ce qu'il m'a donné. Enfin, je sais qu'il m'a donné une arme, mais après je sais pas à quoi ça sert de tuer. On verra bien ça plus tard. Quelque chose d'intéressant là-bas? Par là-haut. Ça vole. C'est space quand même. Allez, encore des trucs inutiles. Au revoir. Non. On va lutter et sauver. Ça c'est une sacrée chaîne quand même. S'il y a un gars qui porte ça autour du cou, on va pas lui faire du bien. Parce que le chien va plus vite que moi. Mais oui, il va plus vite que moi. Quand on ne pourra pas faire. Fous-moi la paix, toi. Un autre explorateur. Tiens donc, tiens donc. Oh. D'accord. Oh, une araignée. J'ai activé ma balise il y a 5 jours. Ton signe zéro en a mis du temps pour me trouver. Il va bien? Mac? Il va bien. Il n'a pas été touché par ce qui rend les autres Orvotes complètement fous. Toute cette planète a perdu la boule. T'es qui toi juste? Oh! Oh merde! Maintenance d'orbe. Joula Adams. Test atmosphère. J'ai essayé de récupérer des pièces pour réparer ma jambe. Mais on n'a pas réussi à attirer les plus gros Orbots à proximité de notre explorer. Je suis pas assez rapide pour les débusquer. Quant à Seth, il est trop craintif pour s'y aventurer tout seul. Pour aider Mac et moi, on pourrait trouver ce qu'il faut. C'est vrai? C'est super. Tenez, prenez ça. Ça vous sera utile. Oui, je suis d'accord avec toi. Tiens, bon. T'as vraiment pas de bol toi, t'as pas que deux jambes. J'ai une liste des composants qui me manquent dans l'explorer. Je vous la donnerai par radio. Ok. Parfait. Alors ça c'est le genre de truc qui me touche beaucoup dans les jeux. Jules, je suis content que vous soyez là. Pareil. Ouais. Oui, les gens qui, bah, qui leur manquent des membres, moi ça me touche beaucoup dans les jeux. Je les trouve toujours très affectifs. Mais bon, voilà. Alors, arme motif bleu. Mais. Et vous avez pas l'air plus impressionné que ça que vous vous êtes trouvés tous les deux. Non? Bon, je sais que vous colonisez la planète, mais quand même.
Bah, j'étais tout seul au début pendant je sais pas combien de temps, et puis là, tu trouves quelqu'un. Ok. Ça fait une grosse pétoire au bout d'un moment, quand même. Ok, maintenant je vais tirer bleu. Qui m'ont l'air un peu plus rapidement. On verra bien. Alors, trouver les pièces nécessaires pour réparer la jambe de Kai. Ok, c'est parti. Oh, hop. Il me gonfle ce coccinelle, la volance. Ah, papa. Alors, arme niveau 10 et Mac niveau 10. Bah, c'est cool ça. Faut que j'aille loin comme ça, non? Trouver les pièces nécessaires. Hein, je me trompe pas. Ça doit être ici. Hey Kai, on est arrivé. Super. Les pièces dont j'ai besoin se trouvent uniquement sur les arcs hybrides. Les verts. Ça semble assez simple. En fait, le problème, c'est que les arcs hybrides créent le soleil. Tu vas devoir creuser le sable pour les trouver. On s'en occupe, pas vrai, Mac? D'accord. Go, ça va le chercher. Ah, ça doit être ses tâches, là, non? Marc a trouvé un endroit à côté du cône. C'est tranquille. Oh! Violet. Ah, d'accord, c'est craint. Le. D'accord. Je comprends mieux. Tiens. Ah, j'ai raté! Faut vraiment que je me remette à faire la destruction rapide. Violet, d'accord. Allez, toutou. Cherche. Et dépêche un peu. Pas qu'on est pressé, mais c'est qu'on est pressé. Ah, il casse quand même le fusil. C'est ça que j'ai retrouvé? Ouais, pas encore. Je sens que ça va être long, long, long. Très long. Oui, t'as trouvé, mais. Sors-le moi. Ah, vert? Oui, vert. Oui, du vert. On veut. Non, 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 non. Eh, hey, c'est le chaos! Cabot mécanique. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Pourquoi il a pas fouillé? Oh, qu'on est con ce chien! Oh, je l'aime bien celui-ci, il est classe. Il faudrait qu'il y ait une mode pour Fallout. Ça pourrait donner quelque chose. Ouais. Ça, je m'en fous un peu. Allez. Oh là là, ça va être long. Je sens que ça va être très long. Oui, ça serait quelque chose. Ah, voilà. C'est ça que je veux. C'est bien mon chien. Allez. Donne-moi un ressort, s'il te plaît. Un ressort. Un ressort. Salut! Mmh. Et là, c'est reparti. Toujours une traînée de sable, le sol, toujours aussi beau. Allez!
Et c'est reparti, et le chien qui fait son travail, et moi qui le regarde. Et pas d'instruction. Je crois que j'allais pas pour eux. Putain, je saigne. Allez, allez, un piston s'il te plaît. Non, toujours pas. C'est pas qu'on essaye, mais bon. Hop là. Bonjour monsieur. Venez vous réveiller. Non. Pas bon. Oh, c'est pas grave. Un piston. Alors attendez, j'ai un truc que je comprends pas ou quoi? Déterrer les arracs verts et récupérer les pistons ressorts. Piston ressort. Je veux bien les récupérer moi, mais s'ils m'en donnent pas, comment je fais? Ah, il faut peut-être pas que je les. Je vais réfléchir, il faut peut-être que je les détruis, c'est pas que je récupère leur corps. Hein, hein. Ça mérite réflexion. C'est quelle couleur? Ça a été vert, nickel. Oh, ben ta gueule. Encore. Et encore. Voilà. Voilà. Ah. Apparemment, c'était ça, hein. Il fallait bien les détruire et pas récupérer le corps. Allez. Eh mon pote, on va réparer ta tombe. Hop, je remets dans ma manche. On sait jamais. Alors je sais pas de combien de temps est donné. Combien d'heures de jeu est donné ce jeu. On verra bien, vous direz. Mais j'ai un ami à moi qui l'a fini. Je pense assez vite parce qu'il a fini dans la semaine où il a eu. Bon. On dirait il a fait que ça aussi. Mais il a quand même assez, fini assez vite. Donc je sais pas pour combien de temps il y a, je sais pas combien il y aura d'épisodes, je sais pas pour combien de temps on en aura. Mais je vous rassure, on fera jusqu'au bout. Alors. Ouvre-moi, ouvre-moi. Ma chandelle est morte, je n'ai plus d'un seul. Prête-moi ta peur. Non, c'est. Prête-moi ta plume. Non, c'est quoi déjà? Je sais plus. Parfait, Jules. Bon, bref. Merci. Mac, calme-toi. Je suis curieux. Il n'y a pas de mal. T'as jamais vu d'humain avec des jambes pareilles? Je fais partie des chanceux. Ils m'ont amputé avant que l'infection ne s'étende. Oh. L'enfer des sables. Épidémie classe 3. D'abord à Chicago, et puis ailleurs. On a pu atteindre une zone de sécurité. Trop tard. Et toi? Côte est ou ouest? Ouest. Secteur sud. C'était terrible. T'as perdu des proches? Ma mère. Je manque de tact. Ah oui, un peu, ouais. C'est pas grave. Mon père prends et du moi, talc. On a pris soin l'un de l'autre. Désolé. On devait rejoindre Alter Eden. Mais il a dû quitter la Terre sur un autre vaisseau. Alors il doit être en orbite, endormi avec les autres, attendant la terraformation. Hé, hey, Seth, tu m'éclaires un peu plus? Tiens. Ça peut aider. Où t'as trouvé cet orbe? Je n'ai pas trouvé que celui-là. Mais j'ignore ce qu'il sent. Tu peux pouvoir me dire ce que c'est? Il s'agit d'orbes prismatiques. Technologie mandate secrète. J'en avais entendu que des rumeurs. Il répare les pylônes. Et fonctionne sur d'autres systèmes d'Alter Eden. Si on en trouve assez, on pourra peut-être relancer la terraformation. Ou peut-être bien plus que ça. Ah bon? Mais j'en suis pas certain. Par contre, on trouvera peut-être des réponses à la fonderie d'or. Je répare mes jambes et je vous rejoins. En attendant, Seth, pars avec Jules. Oh, nouveau pote. N'aie pas peur, tu ne crains rien. Hein, Mac?
C'est mignon. Il est tellement mignon. Donc c'est mon premier nouveau robot ou c'est juste un truc comme ça qui vient de suivre? On va être vite fixé. Ah non, nouveau compagnon. Alors, nouvel robot 7. Allez, rejoins votre groupe. Ah bah c'est cool. Hein. J'y crois pas, quoi. Ils étaient obligés. Alors, appuie brièvement sur LB pour que. Ouh là, c'est trop fort ça. Mais le fou, ça t'a rejoint le groupe de joueurs. Ok. Alors, appuyez brièvement sur LB pour que 7 permet la prenne la place de Mac. Vous pouvez modifier votre équipe d'Orbot autant que vous voulez. Ok. Oh. Oh. Est-ce que tu sers à quelque chose au moins? Eh bien, si tu sers à quelque chose, on verra ça dans le prochain épisode. Et oui, la fin du troisième, ça y est, c'est fait. Voilà. Donc, on se retrouve dans le prochain épisode. Je vous dis à plus, à la prochaine. Puis voilà, c'est tout, hein? Ok? Bon, allez. Et n'oublie pas de guetter la chaîne. Ciao!